Est-ce que vous allez bien? Moi, je me réjouis de vous retrouver. Est-ce que vous avez envie de louer le Seigneur ce matin? Alors, faites-moi un grand sourire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever déjà ensemble? J'ai noté une pensée cette semaine et j'aimerais vous la partager simplement. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi que Dieu peut agir dans vos vies d'une manière extraordinaire? Amen. J'ai noté ça, n'essayez pas de croire, parce que la foi ne s'essaye pas. La foi ne s'essaye pas, elle l'est et elle se forme. Amen. Donc vraiment vivez cela ce matin. Croire ce que Dieu dit n'est pas de la demi-mesure. Moi je crois que nous avons un Dieu fidèle en toutes choses. Même si tu ne vois pas aujourd'hui des choses arriver, c'est en train de se produire. Ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est juste extraordinaire, parce que nous avons un Dieu puissant. Amen. Dieu tout puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Alléluia. Dieu tout puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Alléluia, amen. Est-ce que vous croyez que ce Dieu tout-puissant est un Dieu qui continue de faire les choses comme il les a toujours fait? Alors tourne-toi vers quelqu'un et dis, toi aussi il t'a choisi. Toi aussi il t'a choisi, alléluia. Parce que c'est un Dieu extraordinaire et nous pouvons vivre ce qu'il nous dit aujourd'hui. Alors on est prêt à taper dans les mains ensemble. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Il t'entend ce matin. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce. De Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, oui, appelle-le ce matin, il t'entend. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Dis à quelqu'un, tu es l'ami de Dieu, il t'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, tu es l'ami de Dieu, amen. Tu es l'ami de Dieu, il t'a choisi. Jésus est le rocher de ma vie. Oh, Jésus est le rocher de ma vie. 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 Oh, Jésus est le rocher de ma vie.
rocher de ma vie. Oh, Jésus est le rocher de ma vie. Où est-ce qu'il est? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Où il est? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus, Jésus est le rocher de ma vie. Oh oui, Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est autour de nous là. En bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Amen. Alléluia. Jésus est le rocher de ta vie. Alléluia. Quand tout va bien, mais dans l'épreuve aussi, Jésus est le rocher de ta vie. Alors bonjour à tous, bienvenue à vous tous. Qu'est-ce qu'on est heureux de louer le Seigneur ensemble. J'aime quand on se retrouve pour louer le Seigneur ensemble. Merci à nos amis visiteurs aussi. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous accueillis dans la famille Vie Chrétienne. Bienvenue à nos amis internautes aussi qui nous suivent. Ah, merci Seigneur. Et nous avons chanté, je suis l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Et j'ai eu ce passage en tête où il est parlé dans l'épître de Jacques, de Abraham, où il est dit que sa foi et ses actes agissaient ensemble. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste. En tenant compte de sa foi, et Dieu l'appela son ami. Tu es l'ami de Dieu. Quel cadeau merveilleux. Quel cadeau merveilleux. Aujourd'hui, justement, parlons de persévérance. C'est Hannibal qui va nous partager la parole. Et j'ai hâte de l'entendre persévérer dans sa présence. Persévérer, malgré les luttes, malgré les combats, malgré les épreuves. Persévérer. Amen. Samedi prochain, le comptoir aux vêtements est ouvert de 9h à 11h. Donc, je voudrais le redire aussi. Si vous connaissez des personnes qui sont dans le besoin, n'hésitez pas, envoyez-les. Envoyez-les samedi matin. C'est vrai qu'il y a une population d'immigrés qui arrive depuis l'Ukraine. Entourons-les et aidons-les comme nous pouvons. Et surtout, si vous en rencontrez, n'hésitez pas, envoyez-les samedi matin. Je voudrais aussi vous rappeler l'opération que nous avons à la fin du mois pour que vous réserviez le vendredi soir et le dimanche matin. Donc vendredi soir avec une soirée spéciale, nous aurons comme invité le pasteur Serge Bureau. Et dimanche matin, il sera parmi nous aussi et nous terminerons le culte de dimanche par une agape. Je sais que ça vous fait plaisir. Ah oui, merci Seigneur pour ces moments. Nous nous retrouvons dimanche prochain aussi pour le culte à 9h45. Ce sera notre bien cher pasteur qui nous partagera la parole. Je vous invite à vous lever. Nous allons remettre cette réunion au Seigneur et je vais prier pour l'offrande aussi. Seigneur, c'est toujours une immense joie de pouvoir nous réunir dans ta maison. Merci parce que nous avons un lieu qui nous accueille. Et j'ai toujours une pensée pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas se réunir librement, qui en sont empêchés, soit parce qu'ils n'ont pas de lieu, ou soit parce qu'il y a des autorités qui les en empêchent. Alors Seigneur, merci. Et merci pour ta présence, Seigneur. Nous remettons ce culte entre tes mains et nous nous attendons à toi le fidèle, à toi le divin, à toi le tout-puissant. Et merci Père parce que nous pouvons encore aujourd'hui apporter notre offrande dans ta maison. Nous pouvons l'apporter avec joie. Merci parce que nous pouvons semer. Seigneur, et c'est toi qui fais croître.
Seigneur, nous voulons semer dans ton royaume. Seigneur, parce qu'il y a tellement de personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Et le cri de notre cœur, c'est que chacune de ces personnes puisse entendre parler de toi, te rencontrer. Toi, Seigneur, le seul vrai Dieu. Merci, Jésus. Seigneur, et nous voulons prier encore pour cette situation en Ukraine. Nous voulons te prier, Père, et remettre ces deux nations qui se déchirent, Seigneur. Nous voulons les remettre entre tes mains et prier pour la paix, pour que la paix revienne entre ces deux nations. Je te prie, Saint-Esprit, étends ta main sur ces dirigeants. Seigneur, éclaire-les, parle-leur, Seigneur, afin qu'ils puissent eux-mêmes fléchir le genou devant toi. Seigneur, je prie pour que la paix revienne au nom de Jésus. Et je prie pour toutes ces personnes qui sont sur les routes, qui ont été délocalisées, qui sont dans des pays étrangers, qui ne connaissent pas. Père, prends pitié. Nous voulons les bénir. Nous voulons aussi, Seigneur, être là et voir ce que nous pouvons faire. Merci, Jésus. Nous les remettons entre tes mains, en toute confiance, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Glorifie-toi dans cette situation. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Alors, amen. Ensemble, faisons monter notre louange au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour le louer ce matin? Alors, on va prendre ce chant qui dit « Un chant s'élève ». Et je veux vous entendre chanter de tout votre cœur parce que Dieu est déjà là. Alléluia. Et nous voulons l'honorer, le glorifier. Est-ce qu'on peut le célébrer simplement en lui donnant une acclamation parce qu'il est vivant, il est fidèle. Alléluia. Amen. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur.
j'entends le son ce matin, oh. Le son des cœurs qui reviennent à toi. Est-ce que nous pouvons lui dire oui, je reviens à toi ce matin? Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Il veut restaurer ton âme en te voyant. Voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, où elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. Bienvenue Jésus dans ce lieu. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, il est le roi des rois. Donnons-lui une acclamation plus élevée. Alléluia. Amen, amen. Oui, vraiment, Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu es le Dieu qui est capable de transformer. Tu es le Dieu qui est capable de restaurer les vies brisées, les rêves brisés, les cœurs brisés. Tu es capable de relever les malades. Tu es capable. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont malades, qui souffrent aujourd'hui. Nous te les remettons. Et proclamons une guérison complète. Alléluia. Oui, nous nous tenons devant toi. Parce que par ta lumière, nous avons la lumière. Alléluia. Tu as dit que nous sommes celles et lumières du monde. Et lorsque, eh bien, Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne, ils te voyaient comme un rayon lumineux, ébloui par ta présence. Ébloui par ta présence. Ce matin, nous voulons rester ébahis devant toi. Toucher ton cœur. Oh. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là. Thank you.
me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Seigneur, oui, je viens t'adorer. Oui, tu es ma lumière, tu es mon Père. Et ce matin encore, nous voulons célébrer ton nom. Alléluia. Sois nos larmes, Seigneur. Tu connais toutes choses. Oh. Alléluia, oui. Oh, conta la basso, comaya ta so. Oui, vers toi je viens. Parce que tu es un Père. Oh, alléluia. Ébloui devant toi. Ébloui devant ta face. Levons nos voix ensemble maintenant. Commençons à proclamer. Commençons à proclamer qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu.
qu'il est celui qui est venu pour nous sauver. Il est celui qui est venu pour nous prendre dans ses bras, pour nous ouvrir la voie vers le ciel, pour nous ouvrir la voie vers Dieu. Alors commençons à lui dire, oui, Père, je t'adore. Père, je te reçois ce matin. Alléluia. Alléluia. Sentez-vous libre de lever la voix si vous le désirez ce matin. Dieu est là. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Sotto non amasso chi dire le voi. Oh, 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 oh.
Oui, rien n'est comparable à tes promesses pour ma vie. Rien n'est comparable, ô Seigneur mon Dieu. Je te célèbre ce matin, je te loue parce que tu es un Dieu fidèle. Ô, tu es infiniment grand. Ô, Karabasintioloso, Kondarababaso. Alléluia. Kerababaso torokondomachi. Laissons l'Esprit agir au milieu de nous. Il est infiniment grand. Il est puissant. Il est puissant. Alléluia, sauve un canoës. C'est un malo son torogo. C'est un kurama son torogo. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle de majesté. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Hallelujah.
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Acclamons-le au Talamasso Copier. Alléluia, alléluia. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce, alléluia. On te bénit, Seigneur. Vraiment que ton nom soit loué. Est-ce qu'on peut simplement se recueillir un instant alors que le prédicateur se prépare? Et on veut vraiment être libre ce matin. Nous ne voulons pas venir en ta présence pour entendre ta parole comme on irait à une foire ou je ne sais quoi. Mais nous voulons vraiment venir avec un cœur repentant, en disant, Seigneur, ce matin, parle-moi. Ouvre mon cœur à ta parole. Ouvre mon cœur à ta parole. Alléluia. Seigneur, je sais que tu vas me parler. Plusieurs, vous avez déjà été interpellés à travers les chants. Mais il y a un temps maintenant où sa parole va prendre vie et racine en vous. Attendez-vous à vous à recevoir quelque chose de fort ce matin. Que l'Esprit de Dieu, vous savez, je lisais cette semaine dans Genèse que au commencement, relisez régulièrement la Genèse. Le commencement est toujours important. Le commencement, l'Esprit de Dieu était là. Et il se mouvait au-dessus de la terre. Et aujourd'hui, l'Esprit est là. Il est en train de se mouvoir dans ce lieu. Et il va te parler, j'en suis convaincu. Simplement commence à dire, Seigneur, oui, parle-moi personnellement. Je ne suis pas venu pour entendre un quelconque message ou pour passer un moment. Non, je suis venu pour que toi tu me parles à travers la bouche d'Hannibal ce matin. Eh bien Seigneur, je te prie pour que toute personne présente ou vous qui êtes derrière les écrans, vous qui entendez le message en replay ou peu importe, eh bien vraiment que votre cœur soit dans une disposition extraordinaire pour recevoir ce que sa parole veut vous donner. Et toi qui es là, assis, en cet instant, peut-être tu es en train de te dire, oui, mais je ne comprends pas trop, c'est pas trop pour moi. Eh bien, attends-toi à une parole phénoménale qui vient d'en haut, une parole de vie, une parole de connaissance qui est donnée ce matin. Prépare ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui sont encore debout, vous pouvez prendre place. Je sens que vous êtes chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Alors on peut accueillir Hannibal qui va venir. Notre pasteur stagiaire, il est où? Alors regardez la plus belle cravate qu'il a mise. On se fait un concours de cravate avec Hannibal. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Voilà. Alléluia. Alléluia. Il y a avec toi. Amen. Il y a avec toi. Amen. Tu peux répéter avec moi, je sais qu'il y a avec toi. Tu peux répéter aussi, je suis sûr qu'il y a avec toi. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que je demande de répéter quelque chose, je ne le fais pas pour créer seulement une bonne ambiance. Non?
C'est plus profond que ça. Parce que, comme je dis, dans la musique, il y a le retour. Le retour, on entend le retour et après, on peut jouer mieux. C'est la même histoire avec nous. La parole qui sort pour notre bouche, la première personne qui entend ces paroles, c'est nous-mêmes. Si tu parles de rot, tu dis de rot, ça sort pour ta bouche, ça rentre, ça se dépose dans notre cœur, après ça sort pour la bouche de nouveau, ça rentre pour l'oreille, ça se dépose dans notre cœur, c'est comme une boule de neige. Parce que la parole de Dieu dit que de l'abondance de notre cœur parle notre bouche. Alléluia. Mais si nous parlons victoire, alléluia, tu vas dire victoire, ça sort pour la bouche, ça rentre pour l'oreille, ça se dépose dans notre cœur et ça commence à grandir et à la fin, tu vas parler seulement victoire. Alléluia. Il y a victoire. Il y a victoire. Il y a victoire. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, comme dit de temps en temps, Serge et Nathalie aussi, mamma mia. Les biches sont souvent victimes de différents types de prédateurs dans la nature. Elles peuvent être la proie des loups, des ours et des léopards. Face à ces animaux, le seul recours est la fuite. Et pour les plus petits, le camouflage. C'est fait quelque temps, j'ai regardé un documentaire qui a montré une curiosité de ces grands ruminants du désert. Et c'est par rapport à les mécanismes de défense. Lorsqu'une biche se sent en danger, elle dégage une odeur très particulière et tellement forte qu'importe à quelle distance elle se trouve, le prédateur peut le localiser par son odeur. Face à ce danger, Levitch peut utiliser une stratégie et c'est de se submerger dans le son. De une rivière. Elle sait que lorsqu'elle rentre dans la rivière, cette odeur de peur disparaît. C'est pourquoi, lorsque est poursuivi de son ennemi, il court. Mais il ne court pas, non, il cherche. Il court, mais il cherche, il cherche. Il cherche désespérément à rentrer dans un courant d'eau. Et ainsi, le prédateur perd sa trace. David a écrit dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi, mon âme soupir après toi, oh Dieu. Alléluia. Je pense que David, il a regardé aussi ce documentaire. Par YouTube. Je vous invite ce matin à voir ensemble l'importance de rentrer et persévérer dans la présence de Dieu. Alléluia. Avant de commencer, j'ai fait une remarque par rapport à ce thème, parce que qu'il existe une différence entre le fait d'être conscient de l'omniprésence de Dieu et de rentrer et profiter de sa présence. Ce n'est pas pareil. Salut. Sans sa présence. L'omniprésence signifie que Dieu est partout. Nous pouvons être conscients de sa présence. Cependant, ne profiter d'elle. Nous pouvons rentrer aussi dans cette salle et profiter d'un bon culte
mais jamais rentrer dans la présence de Dieu. Je vous explique bien. Dans cet immeuble, il y a une librairie. Nous pouvons avoir connaissance. Nous pouvons, à la fin du culte, sortir de cette salle et chercher la librairie. Et nous pouvons même rester devant la porte de la librairie. Mais pour profiter de ce qu'il y a là-bas, il nous faut rentrer à la librairie. C'est différent. Le fait de connaître qu'il y a une librairie ne me permet pas de profiter de ces services et des documents qui sont à l'intérieur. Maintenant, j'ai fait une bonne publicité à la librairie. La librairie, pourquoi? Mais évidemment, je parle de que la librairie serait ouverte, c'est ça, non? Elle n'est pas ouverte tous les jours. Mais j'ai une bonne nouvelle. La présence de Dieu est disponible 24 heures sur 24 heures. Tu peux clamer le Seigneur pour ça, alléluia! Il est disponible, alléluia! Et il nous invite à rentrer et persévérer dans sa présence. Rentrer et persévérer dans sa présence. Alléluia. Notre Dieu veut que nous soyons près de lui. Et pour arriver à ce bout, il utilise différents moyens pour nous attirer à sa présence. Parce que maintenant, aujourd'hui, on est pressé. On est par là, tout va vite. On est pressé partout. Mais Dieu utilise différents moyens pour nous attirer à sa présence. Pour mieux illustrer ce principe, je vais raconter une histoire. Dans une occasion, un homme conduisait pendant la nuit pour rentrer à sa maison. Soudain, il a entendu que le verre derrière de sa voiture a explosé à cause d'une pierre que lui avait été lancée. Qu'est-ce que c'est ça? Terrorisme! Rapidement, il a freiné. Et lorsqu'il est descendu, il a aperçu un jeune homme mal habillé qui se trouvait au bord de la route. Il a regardé, c'est toi. Alors, il est parti à la rencontre de ce jeune homme dans un état agressif. Tu vas voir. À la recherche d'une explication. Mais lorsqu'il s'est approché du jeune, il s'est rendu compte que sur le sol, à côté de lui, il y avait une dame ancienne, gravement blessée. À ce moment-là, le conducteur a entendu des paroles qui lui ont fortement touché. Désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Nous sommes sans abri. Et ma mère a été percutée. Ça fait longtemps. J'essaie d'arrêter une voiture. Mais personne n'a pas fait attention. Excusez-moi. C'était donc le seul moyen que j'ai trouvé pour attirer la vôtre. De temps en temps, notre Dieu fait pareil avec nous. Nous sommes pressés. Bon, dans mon cas, c'est là. Dans mon cas, il veut nous parler, tu vois. Mais il veut que nous sommes accélérés, pressés. Et il nous donne des signes. Quand il voit que nous nous prestons, quand il voit que nous sommes accélérés, une des cailloux qu'il utilise pour nous appeler, c'est au travers les situations difficiles qui surviennent dans nos vies qui n'ont aucune logique.
Je ne parle pas de situations que nous-mêmes provoquons. Je parle de situations qui n'ont pas aucune logique. C'est des situations que tu dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive à ma vie, mais non. Ça, c'est une manière que Dieu utilise pour attirer notre attention. Il dit de loin, coucou, c'est moi. Bien. En d'autres occasions, Dieu permet aux gens que nous aimons de nous abandonner. Dieu permet aux gens que nous aimons de nous abandonner. On se sent seul, on se déprime, mais de temps en temps, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui va te dire, mon fils, je suis ton amour éternel. Alléluia. Viens à moi. Alléluia. Je vais te montrer quelque chose. Alléluia. En outre, Dieu dépose, ça c'est un petit peu plus intime. En outre, Dieu dépose un esprit de sentiment de solitude. De temps en temps, tu te sens seul. Il dépose un sentiment de solitude dans ton cœur. Ce sont les moments où tu te sens seul, même si tu es entouré de gens. Dans ce cas, c'est Dieu. Même qui t'appelle à passer du temps avec lui dans sa présence. Alléluia. C'est assez plus fort aussi. L'envie de mourir aussi. Les sentiments de ne plus vivre peut aussi venir nous frapper la porte. À nous aussi, les enfants de Dieu, ça peut venir à nous. On connaît le cas de prophète Élie. Lorsqu'il se cachait de Jézabel, il avait l'envie de mourir. Mais Dieu lui appelait à rentrer dans les profondeurs de sa présence. Parce qu'il avait encore une mission à accomplir sur la terre. Si tu es vivant, et tu es là, Dieu avait un projet pour toi. Encore. Il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers de toi. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, il y a une histoire que j'apprécie énormément. Et c'est le moment où Jacob a eu une rencontre personnelle et directe avec Dieu. J'aime beaucoup cette histoire. Nous connaissons l'histoire de Jacob, avant de rentrer dans le verset. Jacob, il a voulu la bénédiction de son frère. Il a trompé à son frère, il a voulu sa bénédiction. Il est sorti de la maison parce que Esaü a dit, je vais tuer à Jacob. Il a dit, bon, c'est un bon moment pour partir d'ici. Il a sorti de sa maison, mais maintenant, Dieu l'a dit, tu dois rentrer chez toi. Tu dois rentrer à ta maison de nouveau. Et Jacob, il avait la peur. Il a dit, oh là là, mon frère est là-bas. Et dans ce moment, Jacob, il a choisi chercher la présence de Dieu. Dieu l'a dit à Jacob, rentre chez toi. Mais Jacob, je pense qu'il a dit, avant de rentrer chez moi, je vais rentrer chez toi, Seigneur. À chercher ta présence. Dans le livre de Genèse, chapitre 32, à partir du verset 24, commence cette histoire. La première partie de l'histoire, ça me touche beaucoup, parce qu'il dit, Jacob a demeuré seul. La première partie dit, Jacob demeura seul. Jacob a rentré à chercher la présence de Dieu, comment? Seul. Alléluia. Nous n'aimons pas beaucoup la solitude. Tout le monde rejette la solitude. Mais Dieu aime beaucoup ça. Ton moment de solitude. La solitude est un moyen que Dieu utilise pour se manifester à ses enfants. Je te mets l'exemple. Abraham a reçu l'appel de Dieu lorsqu'il était seul. Moïse
a eu son rencontre avec le Jésus quand il était comment? Seul. Alléluia. David a été choisi par Dieu lorsqu'il pâturait les brebis de sa famille et tout seul. Alléluia. Daniel a reçu des révélations et a vu à Dieu couvrir la bouche des lions quand il était seul. Alléluia. Jésus-Christ, alléluia, a reçu la puissance du Saint-Esprit lorsqu'il se trouvait au désert seul. Alléluia. L'apôtre Paul aussi. Il a été accompagné. Mais Dieu l'a parlé à lui seul. Dieu veut que nous rentrons seuls à sa présence. Seul. Jésus-Christ a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Et quoi? Et ferme la porte. Accompagné? Seul. Alléluia. Ton Père, qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Que dit la parole? Cet test dit. Cet test parle de la prière. Parle de la prière devant Dieu. Mais le curieux de cet test, c'est que Dieu dit, ton Père qui te voit. Le test n'est pas ton Père qui t'entend. Le test dit, ton Père qui te voit. Dans le secret, il parle d'inaptitude, il parle d'inaction. Parce que Dieu te voit, ça veut dire ton Père qui voit que tu persévères dans sa présence. Alléluia. Si tu es là aujourd'hui, si tu es là demain, si tu es là après-demain, notre Père, il voit ça. Il dit que notre Père qui voit ça, après, il donne la récompense. Dieu veut que nous rentrons à sa présence seul. Alléluia. Pour chercher sa présence. Alléluia. Le test dit, on va rentrer de nouveau au test. Le test dit que Jacob a été seul et a cherché le Seigneur dans la solitude. Alors, quand Jacob était seul, un moment, il lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'angoiture de la hanche. Et l'angoiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laissez-moi aller. Sa première partie, c'est bien. Dit que Jacob, il a vécu une lutte avec cet homme, que après la parole de Dieu dit que cet homme c'était Dieu. Alléluia. Mais au début, il a vécu une lutte. Normalement, quand nous rentrons à sa présence, au début, on va vivre un combat constant pour rentrer dans sa présence. Tu vas commencer et sera difficile. Sera un combat entre la chair et l'esprit. Mais nous devons persévérer dans sa présence. Nous devons persévérer à chercher sa présence. Jacob, il a vécu un combat très fort avec Dieu. Et c'est difficile. Peut-être tu commences aujourd'hui, tu le ferais aujourd'hui, mais demain c'est difficile. Tu le ferais une semaine, l'autre semaine sera un combat. Mais persévère à chercher sa présence. Parce qu'il y a un moment donné que Dieu, alléluia, tu vas ressentir la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Au début, c'est un combat avec la chair. Nous-mêmes. Mais si tu persévères à chercher sa présence, alléluia, Dieu se va manifester à notre vie. Amen. Alléluia. Au début, Jacob, il fait une lutte avec cet homme. Et à un moment donné, les anges le disent, je te laisse, les anges le disent, laissez. Le dit, laissez-moi aller, car l'aurore s'élève. Laissez-moi aller, je vais partir, car l'aurore s'élève.
Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Alléluia. Dans ce moment de lutte, Dieu a dit, je vais partir. De temps en temps, Dieu fait comme ça. Il simule comme, il teste notre persévérance. C'est comme la femme qui lui a demandé à Jésus-Christ de libérer à sa fille. Jésus-Christ l'a dit, non, 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 mais elle a persévéré. Elle a persévéré et après, il a reçu la réponse. De temps en temps, Dieu teste notre persévérance. Dieu l'a dit à Jacob, je vais partir, je vais aller. Et Jacob l'a dit, non, 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 non. Tu n'as rien compris. Tu restes là. Alléluia. J'imagine que Dieu l'a dit, bah oui, elle l'a dit, bah non. Bah oui, je vais partir, mais non, tu ne partes pas. Tu le dis si. Tu ne partes pas si tu ne me venis. Jacob a persévéré dans la présence de Dieu pour obtenir sa bénédiction. Mais le curieux, c'est que Jacob l'a dit à Dieu, je veux ta bénédiction. Mais la réponse de Dieu, c'était une question. Jacob a demandé sa bénédiction et Dieu lui a demandé quelque chose. Je veux ta bénédiction et Dieu l'a dit, quel est ton nom? C'est quelque chose de bizarre. Il a demandé sa bénédiction y Dios le fue una cuestión. Ah, tú ves la bendición. ¿Qué le tomó? Es curioso. ¿Por qué Dios demandó eso? En cette époque, le nom était lié au caractère, a la personnalité et au destin de chaque personne. Le nom de Jacob signifie supplanteur. Ça, c'est ce que Jacob a fait avec son frère. Elle a supplanté la bénédiction de son frère. Dans ce moment d'intimité, Dieu a demandé à Jacob, quel est ton nom? En d'autres termes, quand Jacob a prononcé son nom devant Dieu, il devrait se rappeler ce qu'il était vraiment ici. Et tous les erreurs et les tromperies qu'il avait fait au passé. Car son nom signifie tout cela. Dieu l'a demandé à Jacob, quel est ton nom? Quel est ton caractère? Qui es-tu? Dieu nous invite à venir devant lui, car c'est dans sa présence que nous sommes confrontés à la réalité de ce que nous sommes. Devant sa présence. L'un du plus grand combat que nous vivons sur terre est avec nous-mêmes. Car il est très difficile d'accepter la réalité sur ce que nous sommes. Mais lorsque nous venons devant Dieu, nos armes défensives tombent parce que nous venons devant sa présence. Et quand nous sommes devant la présence de Dieu, on ressent l'amour de Dieu. Dans la présence de Dieu se trouve son amour. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Et chaque fois que nous rentrons dans sa présence, on va recevoir une révélation de l'amour de Dieu. On va recevoir sa révélation que Dieu t'aime. Normalement, on ne sent pas l'amour de Dieu. Normalement, on marche par la vie, mais on ne sent pas l'amour de Dieu. On ne le sent pas, parce que ce n'est pas un sentiment. Mais si nous cherchons sa présence va mener à notre vie son amour. Alléluia. On va commencer à toucher l'amour de Dieu. On va commencer à ressentir l'amour de Dieu sur notre vie. Alléluia. Parce que Dieu est l'amour. Alléluia. Et dans sa présence, on va trouver l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Si nous cherchons sa présence, on va commencer à changer par rapport à notre idée de l'amour que Dieu est pour nous. N'est pas la même chose l'amour intellectuel, tu vois? Que tu dis, Dieu m'aime. Non, c'est autre chose. Tu vas expérimenter concrètement la présence de Dieu. Et sa présence te va donner de l'amour de Dieu.
Parce que sera direct, c'est personnel. Il te va toucher. Tu vas expérimenter la paix, la joie. Tu vas expérimenter la plénitude. Et ça, c'est l'amour de Dieu, alléluia, qui est dans ton cœur. Parce que Dieu est amour. Et Dieu l'a dit à Jacob, quel est ton nom? N'importe quoi, ce que tu as fait. N'importe quoi. Pour moi, ce n'est pas important ce que tu as fait maintenant. Pour moi, ce n'est pas important les bêtises que tu as fait. Parce que je suis un Dieu d'amour. Alléluia. Et quand nous venons devant Dieu, on trouve ça, que Dieu est un Dieu d'amour. Et on commence à expérimenter cet amour dans notre vie. Et après, on commence à donner cet amour à les autres personnes aussi. Alléluia. Parce que Dieu t'aime, parce qu'il t'aime. Alléluia. Dieu ne cherche quelque chose pour t'aimer. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. C'est ça. Si tu es bon, il t'aime. Si tu es mauvais, il t'aime. Si tu es petit, il t'aime. Si tu es grand, il t'aime. Alléluia. Si tu es intelligent, il t'aime. Si tu es embête, il t'aime. Si tu réussis, il t'aime. Si tu ne réussis pas, Dieu t'aime. Alléluia. Si tu sors bien, Dieu t'aime. Si ne sors pas bien, Dieu t'aime aussi. Ah! Alabas, alabacan. Dieu t'aime. Alléluia. La parole de Dieu dit, les apôtres, ils ont dit, nous sommes aimants à Dieu. Yo improvise maintenant, yo oublié de ça et après vous me rectifiez. La parole dit que nous aimons à Dieu parce que Dieu nous aime, nous a aimé à nous. Nous aimons à Dieu parce que Dieu nous a aimé à nous. Ce n'est pas le contraire. On ne peut pas aimer à Dieu parce, pour chercher son amour. C'est tout le contraire. Quand nous trouvons l'amour de Dieu, on commence à aimer à Dieu. Quand nous expérimentons la présence de Dieu et son amour nous remplit, on commence à aimer à Dieu plus facile. C'est plus facile pour nous. On ne cherche à Dieu pour chercher son amour. On cherche à Dieu parce qu'Il nous a aimés. Alléluia. Et son amour nos aide à aimer après à lui-même. Dieu t'aime comme tu es. Et c'est ce qu'il a dit à Jacob. Quel est ton nom? Quel est ton nom? La parole de Dieu dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse les peurs ou la crainte. C'est mieux la crainte, hein? Merci. L'amour parfait chasse la crainte. Si tu as la crainte, cherche la présence de Dieu. Si tu as l'angoisse, cherche la présence de Dieu. Si tu es déprimé, cherche la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu vas trouver l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. Et l'amour de Dieu te va remplir. Et l'amour de Dieu va chasser. Va élever, c'est dit, enlever. Va enlever notre peur. Le verset dit aussi, car la peur implique une punition. Celui qui apprive de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Si nous nous remplissons de la présence de Dieu, on va commencer à expérimenter l'amour de Dieu dans notre vie. Alléluia. La peur, il y a tout le temps une raison. Tout le temps, il y avait une raison pour avoir peur. Tout le temps. Mais la parole de Dieu dit que l'amour de Dieu chasse la crainte. Mais il y a tout le temps une raison pour laquelle on a la crainte. Mais pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu, que l'amour de Dieu chasse la crainte? Parce que dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de logique. L'amour de Dieu, c'est surnaturel. L'amour de Dieu dépasse tout. Alléluia. C'est pour cela que si nous cherchons sa présence et son amour nous remplit, toute la peur qu'il y a dans notre cœur va disparaître. Alléluia. Porque il n'y a pas de raisonnement dans l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous aime. Parce qu'il nous aime. Persévère dans sa présence. Rentre et persévère. Alléluia. Dans sa présence. Jacob a lutté avec Dieu.
Y Dios le ha dicho, ¿qué es tu nombre? Jacob le dice, yo soy Jacob, tal como yo soy. Yo soy con eso. Yo soy Jacob, le suplanté, ¿no? Yo soy Jacob que ha trompé a mon frère, tal como yo soy, llevan devant toi, tal como yo soy. Y Dios le dice, ya te aime, tranquilo, ya te aime. Dios te aime tal como tú eres. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios avait l'espoir que tú vas a changer. Se puso la que Dios te aime como tú eres. Parce qu'il a l'espoir que tu vas changer. Dieu regarde ton présent, mais Dieu regarde aussi ton futur. Alléluia. Il a déjà vu ton futur. Alléluia. Il savait ce que tu vas faire après. Je suis convaincu que maintenant, tu n'es pas la même personne qu'avant. Tu ne te racontes pas. Mais tu n'es pas la même personne qu'avant. Parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. Y como même Dios ha hecho quelque chose dans ta vie, Él le fera demain. Aleluya. Y c'est pour cela que Dios te aime tal como tú eres. Él te aime tal como tú eres. Tú puedes decir, amén, Él le croa, c'est bien. Aleluya. Dios te aime tal como tú eres. Porque Él a l'espoir que tú vas a changer. La palabra de Dios dice que el amor croa tú. L'amour croa tú. Dios croa que tú vas a changer. Dios croa que Él va a hacer quelque chose a través de ta vie. Alléluia. C'est pour cela que nous devons venir devant Dieu, tel comme nous sommes. Je suis comme ça. Je suis ça. Je suis ça. Je suis comme ça. Et ça, c'est ce que Jacob a fait. Mais la bonne nouvelle que Dieu, qui a passé dans cette histoire, c'est que Dieu a changé son nom. Dieu a changé le nom de Jacob. Comme Dieu veut changer notre nom aussi. Alléluia. Dieu a changé le nom de Jacob. Alléluia. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Il a répondu. Mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Dieu a dit, tu seras appelé Israël. Dans ce moment qu'il est rentré dans la présence de Dieu, Dieu a changé le nom de Jacob. Alléluia. Dieu veut changer notre nom. Quel est notre nom? Maintenant, dépression, tristesse, angoisse, jalousie. Ne sais pas, quelque chose de mauvais. Dieu peut changer tout ça avec sa présence. Si nous cherchons sa présence. Si nous rentrons dans sa présence. Alléluia. Dieu veut changer notre vie. Alléluia. Je vais continuer. Parce que l'histoire continue à donner de quelque chose. Alléluia. Écoute. Quand j'ai parlé de que Dieu change notre nom, il y a aussi des exemples bibliques qui parlent de ça. Ça a été passé avec Abraham. Abraham s'appelle Abraham. Mais après, Dieu a mis le nom d'Abraham. Dieu a changé tout. Le nom d'Abraham signifie père exalté. Le nom Abraham signifie père d'une grande multitude. Je pense que ça serait le cas de Christophe. Mais non. Et Dieu a changé notre nom. Il l'a fait aussi avec Pierre. Quand Pierre a reçu la révélation de Jésus-Christ, Dieu a fait la même chose. Jésus-Christ a dit, « Tu eres Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Il s'appelait Simon, faible. Et après, Dieu l'a dit, tu t'appelleras Pierre, forte, roche. Dieu peut changer ton nom dans l'intimité. Si nous cherchons sa présence, si nous persévérons dans sa présence, Dieu peut tourner tout. Dieu peut changer tout. Alléluia. Dieu peut changer ton destin. Alléluia. Dans sa présence. Alléluia. 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 Le verset 25 continue à parler. Dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'angoiture de la hanche. Et l'angoiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Suite à cette rencontre avec Dieu, Jacob a été brisé de sa hanche. Et en conséquence, il a dû commencer à marcher autrement, différent. J'imagine que quand
Jacob est sorti de ce rendez-vous divin, les gens lui ont vu marcher comme ça. Il utilise l'imagination, non? Il a sorti comme ça. Et peut-être un de ses voisins a commenté à l'autre. Tu sais si Jacob a eu un accident ou quelque chose? Ah non, non, non. Car il est guaguaté. Boite. Boite. Jacob, c'est bien. Ah, merci. Je le vois boite. Mais l'autre voisin lui répondit, pas du tout. J'ai entendu qu'il a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on a une telle rencontre, même la façon de marcher change. Alléluia. Alléluia. Si nous cherchons sa présence, Dieu va changer tout. Parce que sa présence, c'est plus fort que notre présence. Sa présence élimine notre présence. La présence de Dieu, si nous la cherchons, on sera plus jeune. On sera plus joli. Si nous cherchons sa présence. Ça, c'est la stratégie que j'utilisais pour conquérir à ma princesse. Je cherchais la présence. Y cherché la presencia. Y ya pre la gloire, la faire merecer. Cherche sa presencia. Parce que sa presencia va a eliminar la tiene. Y tú serás diferente. Aleluya. Dios ha laissé une marque dans la vida de Jacob. Y cette trace es devenu son témoignage. Le verset 31 dit, le soleil se levait. Lorsqu'il passa venir, Jacob guettait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'enguature de la hanche. Mais non, car Dieu frappa Jacob à l'enguature de la hanche au tendon. Si nous persévérons dans sa présence, nous deviendrons des témoin. Si nous persévérons dans sa présence, nous deviendrons des témoins de Dieu. Alléluia. Témoin. Ici, ne parle pas de prêcher la parole. Ici, parle témoin. C'est autre chose. Jésus avait donné la grande commission à ses disciples. Et il avait dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et tout, à toute la création. Quelques jours plus tard, avant d'entrer enlevé au ciel, il leur dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Ça a changé tout. Avant, il a dit, prêchez la parole. Après, il a dit, vous serez témoins. C'est quelque chose de plus fort que ça. Vous serez témoin. Elle parlait à Jérusalem. Alléluia. Une personne qui devient témoin est celui qui a vu ou entendu quelque chose. Un témoin, ce n'est pas une personne qui répète une histoire. Un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose. Équiper les certifiés, ça c'est un témoin. Dans le cadre biblique, un témoin c'est une personne qui a vécu une expérience personnelle avec Jésus et peut aussi les certifier. Ça c'est quelque chose de plus fort, ça c'est opération André agressif. Ça fait changer notre façon d'annoncer l'évangile. Parce que nous pouvons non seulement parler de Jésus, sino que nous pouvons témoigner qu'il est vivant. C'est autre chose. J'ai payé quelqu'un. Le matin, je peux rentrer dans sa présence. Après, je peux sortir à la rue. Et j'ai payé quelqu'un. Je sais que Jésus-Christ est vivant.
Y la persona me dice, ¿quién es cura pasada? ¿Quién es cura pasada? ¿Quién es cura pasada? ¿Quién es cura pasada ese truco? La persona dice, y tú le dices, y es para leer, a ver, Jesucristo se matan. Y le viva, y no es para vivir, ¿quién es cura pasada? Y después tú le dices, tú ves, resentís a presencia menón. Es que tú ves, resentís a presencia menón. Peut-être. Et dans ce moment, on est en témoin. Parce que Dieu nous appelait à s'aimer sa présence. Si nous cherchons sa présence, on va s'aimer sa présence sur les autres personnes. Essayez. Si tu vois quelques personnes, tu dis, je vais prier pour toi, pour que tu ressens la présence de Dieu. Le minimum que cette personne va ressentir, c'est la paix. Le minimum. Le minimum que va ressentir cette personne, c'est la paix. Parce que tu portes la présence de Dieu. Je répète, tu portes la présence de Dieu. Más o menos. Tu portes la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux le faire. Je vais prier pour toi. Simple, Seigneur, touche-le. Qu'il puisse sentir ta présence. Fini, et tu pars. Peut-être, il te va dire, ah, je n'ai pas senti rien. Non. Mais après, quand il rentre à la maison, il va dire, oui. Je ressens une paix. Quelque chose dans mon cœur. Et après, si elle te voit, tu vas dire, coucou. Ça va, et toi? Tu as ressenti quelque chose? Témoin. Nous pouvons s'aimer la présence de Dieu. Sur la ville de Saint-Dié, de Célestal. Qu'il y a d'autres, bueno, je ne me souviens pas d'autres, mais non, de l'Alsace. Nancy, ah oui, Nancy se levait, un soldat, Nancy, de la Suisse. Nous pouvons s'aimer sa présence. Et ça, nous ferons témoin. Mais pour faire ça, nous devons chercher sa présence. Parce que peut-être tu me diras, j'ai peur de faire ça, j'ai la crainte de faire ça. Mais si nous rentrons dans sa présence, et nous persévérons dans sa présence, tu vas sortir comme un lion. Tu vas sortir chargé. Parce que tu as cherché sa présence. Alléluia. Persévère. Dans sa présence. Ne sors pas de sa présence. Alléluia. Mais comment nous pouvons rentrer dans sa présence? Parce qu'on a parlé qu'on peut rester ici et ne pas rentrer dans sa présence. Comment nous pouvons rentrer? Bon, il y a plusieurs manières de rentrer dans sa présence. Mais je vais donner quelque chose que je sais que tu le connais. Nous pouvons rentrer dans sa présence à travers de l'adoration. À travers de l'adoration, nous pouvons rentrer dans sa présence. C'est facile. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu prends ton portable, tu mets la musique, l'adoration, que plus tu aimes, et tu commences à adorer le Seigneur. Et si c'est une adoration que tu aimes beaucoup, c'est bien, c'est mieux. Pourquoi? Parce que Dieu, il est en train de faire quelque chose avec toi à travers de cette adoration. Tu prends l'adoration, tu prends ton portable, tu rentres dans ta chambre et tu commences à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Il y a différentes étapes d'adoration. Premièrement, on entend non, l'adoration. On met la musique et on commence à entendre. Bueno, dans le cas de Seye, la classe, le piano, c'est complet. Mais tu peux mettre ton portable, tu commences à entendre la musique et après tu commences à louer le Seigneur et adorer le Seigneur. Ça, c'est la première étape de l'adoration, la répétition. Tu commences à répéter l'adoration. Tu commences à chanter. Et ça va commencer à tirer la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est comme le fromage fondu. Sabes comment ça? Le fromage fondu? Fondu, on fait quelques trucs qu'il met dans le four. Et après, il colle. Je ne sais pas comment faire ça. L'adoration, c'est comme le fromage fondu. Ton esprit s'amalgame avec l'esprit de Dieu.
Quand tu commences à adorer le Seigneur, le fondu arrive. Et tu commences à te fondre devant Dieu, avec Dieu. C'est ça, fondre. Oh là là. Oh, mais voilà, c'est bien. Tu te fondres avec Dieu. C'est comme quand tu es dans ta maison, que tu regardes un film, que tu es fondré dans le film. Tu es accroché. Ou tu joues quelque chose, ou un feuilleton. Tu es fondré. Et si quelqu'un vient, tu lui dis, laissez-moi. allez, ça d'ici. Je suis connecté avec le film. C'est le meilleur moment du film. C'est le même avec Dieu. Mais Dieu n'est pas un film. Dieu est réel. Alléluia. Dieu est réel. Alléluia. Et Dieu est là. Ah! L'adoration te fondre avec Dieu. Esprit avec esprit. Tu commences à voir la répétition. Si tu chantes mal, ça n'a pas de problème. Dieu l'entendre. Autre étape sera, tu commences à faire ton propre spontané. Tu commences à chanter d'une manière spontanée. Ah, c'est ça. Dans l'esprit, tu commences à parler, à chanter ya. Et ça, c'est comme le cantique nouveau. Ya tú comienzas a leer a Dios de choses de tu propio cœur. Tú es bel, tú es merveilleux. Je t'aime, Señor. Tú es gran, Señor. Mais si nous perseverons dans la première étape, nous devons perseverar dans la première étape. Nous devons répéter, entendre quelques musiques y commencer a adorar al Señor. Tú peux le faire dans ta chambre tout seul. Tú peux le faire dans les chamans. Tú peux le faire partout, avec les casquettes. Y adorer. ¿Cómo se dit? Casquette. Casque. Y me menó la. Mon francés particulier. Francés Aníbal sea. Tú prends ton casque. Y tú marchas sur la rue. Y tú entends la adoración. Après, ça va sortir sol. Tú vas a commencer a adorar al Señor. Señor, tú es bel. Señor, tú es gran. Señor, tú es magnifique. Y sacule plus. Y sacule plus. Et ça coule plus, ça coule plus. Après, autre niveau d'adoration, c'est l'admiration. Dieu est admirable. Amen. Dieu est admirable. Tu commences à admirer à Dieu. Tu vas commencer à dire, Seigneur, tu es tout. Tu es la totale. Alléluia. Tu vas commencer à mirer à Dieu. Tu es grand comme les êtres vivants qui sont dans les cieux, devant Dieu. Il regarde à Dieu et il dit, Saint. Et après, il dit, Saint. Chaque fois, il voit quelque chose de différent. En Dieu. Tu vas commencer à mirer à Dieu. N'est pas venir à l'église, tu vas commencer à mirer à Dieu. À ton Dieu. Et cette temps d'admiration te va monter à la reconnaissance. Tu vas reconnaître à Dieu partout les choses que tu fais ou que tu feras. Si je marche, c'est grâce à Dieu. Si je parle, c'est grâce à Dieu. Si je chante, c'est grâce à Dieu. Si je travaille, c'est grâce à Dieu. Non, mais je la connaissais. Non, c'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est Dieu qui t'a donné la force. C'est Dieu qui a fait quelque chose pour te sauver dans un moment dangereux de ta vie. Tu ne le savais pas, mais Dieu l'a fait. C'est Dieu. Tu vas commencer à reconnaître à Dieu. Et tu vas dire, tout ça que j'ai fait maintenant, c'est grâce à Dieu. Alléluia. L'adoration. Il y a trois genres de gens que Dieu recherche. Ça, c'est très important parce que Dieu cherche.
quelqu'un qui se tient à la brèche devant lui. Ça, c'est un type de personne qui est ici. Ça sont les antécesseurs. Quelqu'un qui se tient dans la brèche. Ici, dans cette église, il y a plusieurs de femmes que Dieu a appelées à l'intercession. Ici, dans cette église, il y a plusieurs de femmes que Dieu a appelées à l'intercession des combats et prophétiques. Dieu cherche des intercesseurs. Il cherche des intercesseurs. Autre chose que Dieu sait, c'est qu'ils sont perdus. La parole de Dieu dit que le Fils de l'homme est venu à chercher et sauver ceux qui s'étaient perdus. C'est autre chose que Dieu cherche. Et l'autre chose que Dieu sait, c'est les adorateurs. Que lui adore en esprit et en vérité. En esprit, à travers de l'adoration. En vérité, comme témoin. En esprit et en vérité. Alléluia. Je vais finir. Un jeune homme s'est rendu un jour chez un sage et lui demanda, « Monsieur, que dois-je faire pour devenir un sage ?» Le sage n'a pas répondu. Le jeune homme, après avoir répété sa question à un certain nombre de fois, avec des résultats similaires, le quitta et revint le lendemain avec la même demande. Eh, monsieur. Mais il n'a pas obtenu de réponse. En revint donc, une troisième fois, et répéta sa question, monsieur, que dois-je faire pour devenir sage? Finalement, le sage lui répondit, et se dirigea vers une rivière qui coulait à proximité. Il est entré dans l'eau en prenant le jeune homme par la main. Lorsqu'il atteignait une certaine profondeur, le sage s'appuya sur les épaules du jeune homme et le plongea dans l'eau malgré ses efforts pour s'éloigner de lui. Il le plongea sur l'eau. Il le laissa. Après, il le laissa afin de sortir. Et lorsque le jeune homme a repris son souffle, le sage l'interrogea. Mon fils, quand tu étais sur l'eau, qu'as-tu le plus désiré? Qu'est-ce que tu voulais le plus? Sans hésiter, le jeune homme a répondu. De l'air, de l'air. Le sage l'a dit, n'aurais-tu pas préféré la richesse, le plaisir ou le pouvoir? Tu n'as pas pensé à aucune de ces choses? Non, monsieur, je souhaitais de l'air et je ne pensais que l'air qui me manquait. Ça, c'était la réponse immédiate du jeune. Alors, dit le sage, pour devenir un sage, tu dois désirer la sagesse avec la même intensité que tu désiras l'air. Alléluia. Tant que nous désirons pas la présence de Dieu, dans la même façon que notre respiration, nous ne la chercherons pas. Dieu veut que nous rentrons et que nous persévérons dans sa présence. Est-ce que tu veux? Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Rentrez et persévérez dans sa présence. Amen. Alléluia. Je vous invite à se lever, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est bien que nous pouvons adorer notre Seigneur. Que nous pouvons oublier tout. Et nous pouvons nous concentrer en adorer à Dieu. Pour rentrer
dans sa présence. Parce que sa présence est là. Seulement adorer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose de rester dans cette attitude de désirer Dieu. Je pensais à ce chant qui dit « Malgré tout, dans le désert, dans l'abondance, quand je suis sous l'eau et que je manque d'air, Dieu est là. Et malgré les circonstances, je continuerai à l'adorer. » Alléluia. On va prendre ce chant si vous le voulez bien. Dans ce désert de lassitude, mais pas mon temps me mener quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continue à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à t'adorer. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. On va rechanter dans ma détresse. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Tu m'accompagnes.
tu m'accompagnes. Alléluia. Seigneur, c'est vrai que dans le désert, dans ma détresse, toi, tu ne lâches pas ma main. Nous voulons prier vraiment ce matin pour que chacun et chacune puisse avoir ce désir, cette soif de chercher la présence, de persévérer. Trop souvent, nous abandonnons, même pendant les cultes. Eh bien, je veux proclamer, prier pour qu'il y ait cette dimension de chercher l'adoration. Pas juste chanter un chant, mais aller plus profondément, plus en profondeur. Comme Jacob, dire simplement, non, je ne partirai pas. Je ne partirai pas avant que tu ne m'aies béni. Non, je ne partirai pas. Seigneur, alléluia. Même s'il y a un désert de lassitude dans ma vie, aujourd'hui peut-être tout te semble, tout s'écroule sur toi, comme si tout tombe sur ta tête. Sache une chose, ton Dieu est un Dieu fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu peux continuer à lui faire confiance. Fais-lui confiance aujourd'hui. Fais-lui confiance dans l'épreuve, dans la douleur, dans la souffrance, dans l'abandon. Dieu est là. Alléluia. Dans la solitude. Il y a une personne derrière l'écran qui est en train de regarder. Tu te sens comme abandonné. Tu es assis derrière cet écran et tu regardes ce culte et tu as entendu ce message et tu te dis, mais ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Tu te sens abandonné de tous, abandonné de Dieu. Mais Dieu ne t'abandonne jamais. Alors simplement dis avec moi, je continuerai à te louer, je continuerai à t'adorer, je continuerai ma marche, je continuerai à te chercher. Où que tu te trouves. Alléluia. Seigneur, tu bénis chaque personne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.